Moi saluer tout haïtien n'importe côté vidéo ça pral entrer la caillou. Moi-même c'est Jean-Emmanuel Fouché, moi c'est un architecte designer avec une maîtrise en architecture de logement touristique. Moi remarqué que depuis après 14 août qui c'est un jour qui a toujours été sombre dans mémoire tout haïtien même j'ai avec 12 janvier, moi remarqué que tout haïtien sur les réseaux sociaux a cherché solution, a cherché qui ça nous t'a mettre en pratique. Pour justement les nous faire face à un phénomène naturel comme ça, même bagaille là pas passé. Et bien moi regarder grand pile monde qui a proposé des solutions et qui a parlé de caille en bois, qui a critiqué caille en béton, mais ça que moi voulais rappeler nous, songez que bon moment qui t'est arrivé, nous t'est obligé à abandonner caille en bois justement parce que tu qu'on gain des destructions de et complète et l'aide du feu prend et puis cyclone etc. Nous devons être conscients que pays nous Haïti a toujours exposé à phénomènes naturels que le tremblement de terre que le cyclone et que le inondation a toujours bien ça donc c'est nous-mêmes qui pour toujours préparer nous en conséquence pour nous pas souffrir laisser ça arriver mais n'a toujours fait face à phénomènes naturels ça yo donc et il est clair pour tout le monde que pas gain aucune préparation au niveau de l'État. D'ailleurs, nous avons vu que c'est propre haïtien qui a aidé pour accès à SID, pas gain aucune préparation. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, moi pour présenter nous un projet, moi penser qui t'a ca aider nous faire face à un phénomène comme ça, qui t'a ca mettre pour accès nous dans la rue et dans n'importe là ça t'a va reproduire. Aujourd'hui, moi viens présenter au centre d'accueil Antoinette Duclair. Moi relé li comme ça, c'est juste pour et pour honorer mémoire yon moun qui t'a montré nous et jan moun nan site grand yon moun qui t'a montré nous qui jan que nous ka rive de yon Haïti qui meilleur pour tout moun et me penser que et c'est un moun qui mérite respect nous et nous doit honorer mémoire li. Construction ça li fait ensemble avec des containers qui avantage qui ka gagné nan type construction ça c'est-à-dire les nous recycler conteneurs et pour nous faire des maisons habitables avec eux. Eh bien, il y a un avantage qui est simple c'est que nous devons songer que conteneurs ça yo yo créé de façon telle pour yo ka résister à toute mauvaise condition. D'ailleurs, c'est des bagages qui pral permettre que et nous transporter des marchandises et de un continent à l'autre. Donc yo gon préparation avec et avec ça que yo fait yo très résistant, yo très durable. Et nous devons songer que c'est un matériel qui ca supporter des vents de plus de 100 km par heure. Donc et résistance ça fait que c'est une très bonne option dans question construction. Projet ça que m'a présenté là c'est des édifications que nous ca gagner dans chaque zone. C'est-à-dire que qu'on y a là dans le sud et nous justement besoin. On, par contre, c'est des projets qui ca réservé encore, c'est-à-dire et imaginez-nous que dans chaque zone nous gagner un type et de projet comme ça. Donc là que justement nous gain à faire face à un problème tant pour ça n'a vive actuellement dans le sud là. Facilement nous ca ouvrir des centres pour tout le monde et que nous fin retirer en bas des combles pour tout le monde qui sans abri. Donc si n'a fait un petit récapitulation, moi ca dit que et avantage que mode de construction ça bien c'est que nous ca déplacer facilement de un endroit à un autre, nous ca démonter le facilement et parce que son sorte de construction de préfabrication et nous ca justement nous et ça va venir aider nous dans l'aspect économique là ça veut dire c'est des bagages qui étant là que nous ca joindre dans port yo etc. nous ca facilement récolter yo et puis faire ça ensemble avec yo et puis tout n'a besoin moins de monde qui va le travailler dans l'exécution et projet ça yo yon l'autre bagage encore c'est durabilité que nous t'étant touché nous montrer qui gens que conteneur ça yo vraiment résistant et puis même résistance ça que moi parler de lui déjà montrez-nous que c'est un matériau que nous avons utilisé et pour nous faire des constructions parasismiques. Ça projet a yé. Projet a gain 5 compartiments côté chaque compartiment gain 12 chambres et c'est-à-dire que chaque conteneur que nous allons utiliser a gain 2 chambres avec toute closette yo et puis nous gain
au total deux blocs toilettes, c'est-à-dire garçon a bien espace toilette et puis femme a bien toilette yo, dans deux blocs. Et nous gagnons un compartiment qui a une salle de réunion, qui a un bureau administration, qui a une toilette pour administration à part, qui a une cuisine et puis salle à manger. Dans le même compartiment, ça, dans le deuxième niveau, nous avons un espace qui est réservé côté que nous avons un chita, jouer quatre, jouer domino, bail blague, garder télévision. Et dans le même espace, sous côté, il y a une salle pour psychologue. Ça veut dire que nous connaissons que c'est toujours important dans ce genre d'espace pour nous toujours gagner un psychologue. Et puis tout, nous avons un espace et physiothérapie côté que nous avons réhabilité mon yo. Nous avons entre deux compartiments, nous avons un espace que nous avons utilisé comme un point de réunion. Ça veut dire que c'est toujours important pour nous avoir des points de réunion. C'est-à-dire que si un message qui vous fait passer et nous avons besoin de faire ça dans un espace libre, nous avons utilisé point de réunion ça sans aucun problème. Au milieu, nous avons une zone d'activité. Ça veut dire que là, nous pouvons réunir les gens dans un centre comme ça. Et l'important pour nous, et de retirer stress tout. Donc, il y a un jazz qui vient jouer. Donc, c'est l'espace ça que nous avons utilisé pour ça. Et si une conférence qui a fait, côté que nous avons besoin de réunir tout le monde, c'est justement l'espace ça au milieu que nous avons utilisé pour ça. Ça veut dire que nous clair sur ça, il y a des monde qui pral besoin soin, donc nous gagnons espace et pour premier soin et qui tout gain là-dedans pharmacie, salle pour infirmière, ak docteur et bon et nous gagnons salle réception là-dedans li et puis tout nous gagnons espace et triage. Ça veut dire que nous ka trier moun yo selon et gravité yo et puis pour nous conduire yo et à prendre soin que ka yo nécessité. Espace ça, j'en nous ka observé la trouvé li non espace et naturel côté que et ça aide moun yo et ça aide moun yo rete bien calme. Yon nan bagay nou dwe clair sou li pendant que n'ap chercher solution konnya la, moun yo getan jwenn yon solution. Ou pou gen des moun k'ap utilize tante, ou pou gen des moun k'ap utilize pou la. Donc ça déjà nou ka déjà considéré comme et yon première étape nan solution yo. Mais nous tout conscient que gen l'autre cyclone k'ap vini, nous tout conscient que pral gen l'ampli, donc moun yo pap ka rete la. Nou besoin yon deuxième étape. Et me pense que projet ça centre d'accueil ça ka et servi nan moment ça comme deuxième étape là et puis tout et yon nan bagay nous doit comprendre moi pense que nous te suivre ça et nan tremblement de terre 12 janvier 2010 et yon nan bagay nous te ka suivre après en pile année nous toujours te gagne moun en bas tente donc nous déjà ouais que et solution rapide nous pas jamais ka porter ça donc étant plan nous tout nous conscient de qui dégâts et ça qu'a fait nous connaît tout ça qui t'est passé et dans centre ça yo côté que et t'es une jeune fille qui était vraiment vulnérable et après que nous prend en compte tout ça yo après que nous plus utiliser dans construction gens que nous répartir et dans une forme autour de une forme circulaire c'est là que nous disposer et tout compartiment ça yo ça va permettre justement que nous gagne une vision qui pas bloqué sous tout bloc yo et ça permet que nous contrôler tout ça qu'a fait et dans ce plan pour justement et nous ca éviter et des viols et vols et tout l'autre bagaille que nous connaissons. Nous gagnons l'autre compartiment qui plus loin c'est un grand espace qui prend et qui prend un pile monde et mais espace ça nous dédier principalement à garçon à moun qui moins vulnérable yo côté que yon moun qui jusqu'à l'écraser li pa gen et aucun problème donc c'est là c'est espace ça que li ka utiliser pour le temps toujours et puis et moun qui plus vulnérable yo tant kou femme tant kou ti moun piti tant kou et personne âgée nous ka mete yo justement dans chambre qui pi privé yo. Yon l'autre avantage que type de construction avec conteneur ça présenté c'est que et avec et résistance li permet justement yon facile expansion de projet a. Ou capable ouais là que nous gagne deux niveaux dans projet ça et justement c'est grâce à résistance conteneur qui permet que nous
nous expandre projet ça facilement, nous ca monter li et puis nous ca élargir le sous côté sans aucun problème. Yon nan doute qui gagne nan type de construction ça, c'est niveau chalet que ça que conteneur ka générer. Eh bien, m'a fait nous connaît que gan pile solution pour ça. Yon nan bagay qui bien simple que nous ca faire, c'est protéger partie extérieure là avec une couche de peinture cap empêcher que chaleur là entrer en dedans. Et puis tout dans face intérieure là, nous ca protéger avec et des plaques qui faites pour ça, pour justement nous n'a protéger ni plafond ni et mur intérieur justement pour nous éviter que en pile chaleur entre en dedans. Sans compter tout fenêtre que n'a utilisé dans yo, c'est des fenêtres cap réduit le plus que possible et niveau chaleur qui a entré dans l'espace. Et puis tout yon l'autre bagay qu'on a observé, après que nous créer des zones d'aération et des espaces et justement qui ouvrent sous extérieur, c'est justement pour nous conduire chaleur qui a gagné dedans et puis et rafraîchir tout espace. C'est un honneur pour moi pour me proposer nous projet ça. Et en tant qu'architecte, moi pensais que justement travail moi c'est chercher solution et architecturale qui ca aider nous vraiment répondre à problème ça yo. Et me pensais que gens que moi te dit si nous développer des projets comme ça et nous ca ouais que là nous juste gagnons noyau, donc c'est un projet que nous ca multiplier, son projet que nous ca et nous ca faire plusieurs, et ça va dépendre de quantité de conteneurs que nous gagne qui disponible. Et moi pensais que et ça a vraiment intéressant pour chaque zone d'avagain yo et t'avagain des types de projets comme ça, et n'a connait que toujours là dès que nous gagne pour nous faire face à problème ça yo, même bagaille qui a passé dans ce là pas passer encore côté que n'a pouvait et petit grand monde tant que petit monde dans la rue en bas la pli a souffri. Et me pensais que ça c'est une solution qui a vraiment aidé nous et pour nous pas revivre image choquant ça yo.